Bonjour, c'est Cathy. Alors, je reviens vers vous pour une vidéo colis balle de ma copine Sylvie M. Bon, je pense que je peux dire son nom sur YouTube, c'est Sylvie Martin. Donc, je vais regarder après la carte. J'ai déjà regardé. Excusez-moi pour ma voix. J'ai fait un peu la fête hier, j'ai chanté et de ce fait, j'ai plus de voix aujourd'hui. Donc voilà. Je vous montre sa jolie carte. Je pense que vous la voyez bien. Avec un petit cadre, un beau papier. Superposé, maté avec un papier. Un petit papillon avec un petit nœud, de la dentelle et des petites roses. Jolie moi. Donc c'est un petit envoi de l'amitié. Et elle m'envoie les tubes de paillettes qu'elle a trouvés et le dies. Merci beaucoup, Sylvie. Ah non, ça va. Donc, elle m'a mis des jolies serviettes. J'aime beaucoup celle-ci. Il faudra que j'essaye de faire la technique pour les junk journal. Celle-là, elle est très jolie aussi. Là, la tour Eiffel, hein. Il y en a deux de Paris. Là, c'est plutôt pour Pâques. Avec le petit lapinou, les jonquilles. Les petits crocus. Les primes verts. J'adore les primes verts. Bon, vous inquiétez pas, ces pistaches qui font encore des siennes. Je vais ramasser avant que tout tombe. Désolée. Là, une avec un cupcake. Et là, sur le thème du thé. J'aime bien le thé. Merci beaucoup, ma petite Sylvie. Donc, au départ, elle n'avait pas trouvé le dice. Donc, elle avait emprunté à sa soeur le dice brick d'action. Et ensuite, elle me l'a trouvé. Donc, elle me l'a pris. Je suis ravie. Merci beaucoup. Ça, et je vais vous montrer les paillettes tout de suite. Je sais plus. Ah, voilà. Elle a tout bien emballé. Désolée pour le bruit. J'avais enlevé les scotch tout. Donc là, elle m'a trouvé de la dorée. Moi, je ne l'avais pas trouvé la dorée. Donc, merci beaucoup. J'ai hâte de l'essayer. Ensuite, elle m'a fait quelques petites créas. Donc, elle m'a fait une Memory Dex. J'aime bien ton pièce unique. Je suppose que c'est toi qui les imprimes. Elle a fait son petit emballage en craft. Je vais ouvrir la porte chat. Parce que j'ai fermé, parce qu'il y a du bruit. Il y en avait une de chaque côté de la porte. Donc elle m'a mis ses coordonnées, son anniversaire, sa page Facebook c'est Sylvie Scrap et sur Instagram c'est Sylvie Scrap Siluia. Elle aime le shabby, le vintage, les papillons, les libellules, les nounours, les dentelles, le crochet, les orchidées, les roses. La couleur violet, rose et les couleurs pastel. On aime à peu près les mêmes choses. Par le violet, mais bon, ça dépend quelle collection. Les collections de Prima en mauve violet que j'aime beaucoup. Ensuite, elle m'a fait une petite boîte avec ce beau ruban. Une petite boîte à trésors. Et elle y a mis une petite brassière qu'elle a faite en crochet. Très jolie. Ensuite, elle a fait un petit tricot avec une petite pelote. J'ai vu une vidéo espagnole avec des pelotes comme ça et de la paille. Il faudrait que j'essaye. Très jolie, avec des belles perles sur le côté vieux rose. Moi, le vieux rose, c'est ma couleur favorite.
Mais vous allez arrêter, les filles. Ensuite, elle m'a fait des petites fleurs au crochet. Ça tombe bien, en ce moment, j'ai pas le temps de crocheter. Très jolie. J'aime bien la couleur là aussi. Mon black and white qui passe. Et là, elle a mis une petite fleur violette. Très jolie. Merci beaucoup. Elle a fait des badges avec des petites poupettes. Elles sont trop mignonnes avec leurs petits chats. C'est trop mignon. Et une petite saraquée. Vous savez que j'aime bien les saraquées. Ensuite, elle m'a fait un petit tambour. Je crois qu'elle l'a crocheté elle-même. Hein. Un petit tambour à broder, je cherchais. Avec une petite pince pour l'accrocher. Sur un junk, ça doit faire super joli. Et elle a fait ça. Ça doit être une perle en papier. Très jolie. Avec des perles. J'adore ces perles-là. Qui sont cassées. Ça a un nom, mais je me souviens plus. Avec une toupie, une perle à facettes et une perle nacrée. C'est très joli. Et ça, on dirait du rouleau de papier toilette, mais je suis pas sûre. Ou du papier craft. Merci beaucoup. Je vais tout remettre dans la boîte. J'aime bien les petites boîtes comme ça qu'on ouvre et qu'il y a plein de choses dedans. Je vais la refermer. Merci beaucoup pour la pistache cette fois-ci. Attends, je vais laisser de la place. Hop. Faut toujours qu'elles aillent là où je suis. J'ai reçu deux colis cette semaine, j'ai été pourri gâtée. Il va falloir que je me fasse une boîte à memory dex parce que j'ai plus assez de place. Il y en a que j'ai laissé dans les box et tout, mais il va falloir que j'en refasse. En tout cas, merci beaucoup. Ensuite, elle m'a fait des petits plâtres. J'ai déjà ouvert le sachet. J'en ai perdu un. Elle m'a fait un superbe macaron. Une madeleine. Merci beaucoup. Et il y avait un petit cannelé. C'est très joli. Il faudrait que je les décore. Il y a pistache qui passe, hein. Vous savez bien qu'elle est curieuse. Quand il y a un colis, il faut qu'elle vienne dedans. Regardez, elle m'a mis un fond en dessous pour cacher le carton. Et ensuite, hop, vas-y, passe, Nanette. Oui, oui, mon bébé. Et là, alors je ne sais pas comment ça s'appelle. Bien sûr, j'avais regardé avant. Vous voyez, il y a un anneau avec des rubans. Et là, il y a toutes sortes de tags. Donc, il y a des ronds. Donc là, avec des papillons. Tout dans les tons rose, beige, tout ce que j'aime, quoi. Une petite fleur, un petit papillon. Je vais me mettre debout pour que vous... voir si vous voyez. Ouais. Vous voyez? Et il y a des tags de différentes formes. Le papier est superbe. Là, un tag d'une autre forme. J'essaierai d'en faire un. Hein, avec des petites étiquettes. Un petit papillon, de la dentelle. C'est très joli. Tout dans les mêmes tons de papier. Regardez. À chaque fois, elle a mis un œillet. Là, encore un tag différent. Avec les petits mots. Si je veux m'en servir. J'aime beaucoup ça. Je vais les photocopier. Donc là, j'ose pas enlever, je pense que tout est collé, hein. À moins que ça s'ouvre comme ça. Ah oui, donc c'est une petite enveloppe. J'avais regardé, mais vite fait, avec une petite carte. Les papiers sont superbes. Regardez. Merci beaucoup.
C'est original. J'avais pas encore vu. Mais j'aime bien. Là, celle derrière. Le papier est vraiment super. Donc là, un petit tag pochette avec une petite fleur en résine. Avec des timbres que j'aime beaucoup. Vous me donnez des idées, les filles. C'est bien. On se moque maintenant, voix. Bon, je vais le mettre comme ça pour pas abîmer les timbres. J'aime beaucoup. Là, elle a mis sur un morceau de dentelle. Donc, elle a mis un timbre comme elle m'a offert. Un papillon encore avec une petite perle et des petites roses. C'est vraiment très joli. Là, c'est un rond avec un calendrier, une image. Là, encore des petits tickets. J'adore. Tu me diras si tu les as eus sur Pinterest. J'ai pas pensé à te demander. Là, encore un tag avec un autre en 3D coupé. Toujours avec ce beau papier. Là, encore un petit tag avec une belle image. Un petit cœur rose. Très joli. Là, il y a une horloge. J'adore ces horloges-là. Et une petite composition avec trois roses et un arôme. Et il y a des petites perles en haut et en bas. Derrière, toujours ce beau papier. Là, encore des tickets. Moi, j'en ai pas mal, hein. Je regarderai. C'est pas tous les mêmes. Je vais les photocopier. Elle fait à chaque fois des petites pochettes où elle les glisse dans les tags. Et toujours un papillon. Je crois que le papillon et les roses, c'est le thème. Regardez derrière le tag comme il est beau. Là, encore un tag d'une autre forme avec une étiquette. Là. On dirait un tamponnage, mais je pense que c'est une étiquette. Très jolie. Et toujours un petit ticket. Créative. Donc, ah non, là, il n'y en a qu'un. Là, ça me semblait. Donc, toujours le beau papier derrière. Là, il y a plusieurs morceaux collés dessus. On peut marquer des petites notes. Mettre des petites photos à la rigueur, à l'arrière. Et là, elle a pendu un petit ticket avec une petite attache. Là, elle a refait un tag avec une petite pochette avec deux petites images. Encore un timbre, elles sont superbes. Toujours ce beau papier. Là, une fleur en 3D avec une carte postale. Là, encore des faux timbres, ils sont beaux. Toujours un petit ticket. Un papillon. Encore un grand timbre. Là, avec une superposition d'images. Un tag. Et derrière, ça se termine comme ça. Avec un petit nœud. C'est vraiment très joli. Regardez. J'aime beaucoup. Qui sait, peut-être qu'on en fera en live une fois. Bien sûr, je préparerai les découpes. Hein. Je regarde si j'ai rien oublié. Non. Sylvie, je voulais te remercier. C'est vraiment très, très gentil à toi. Les papiers que tu as utilisés sont sublimes. Et c'est vraiment gentil de m'envoyer un petit colis comme ça. J'apprécie vraiment. Ça me fait beaucoup de plaisir. Même si ça ne s'entend pas trop à ma voix, je suis désolée, je ne vais pas forcer dessus. Ce soir, pour le live, je prendrai un thé. Mais bon, vous, quand vous verrez la vidéo, je vais la poster dans la semaine. Ça fera des vidéos à regarder. Donc voilà. En tout cas, Sylvie, je te remercie énormément. Je te fais de gros bisous. Je vous fais des gros bisous à toutes.